Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler de gros royaumes de baleines, tout comme des royaumes morts avec la mise à jour du classement du 1093, le classement inter-royaume qui recense tous les plus gros royaumes comme les plus petits. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater les amis. Donc foncez sur le Discord, vous y retrouverez toutes les infos et même les pronos de la Ligue Osiris qui arriveront vendredi à 18 h. Les amis, juste avant de voir ce classement énormissime, n'oublions pas que nous avons des petits KvK en cours assez intéressants, on en parlera dans la semaine. Bien évidemment, dans les KvK que nous suivons, vous savez, on en suit pas mal des KvK. Mais là, il y en a deux qui méritent toute notre attention. Alors, le premier, je vais le retrouver. Il est quelque part par là. Alors oui, il y a celui du 2755 où le 2755 et le 1077, deux impériums, sont seuls contre tous. Celui-là, on va bien évidemment le suivre. Il y a aussi celui du 1846. Où le 1175 semble avoir jeté l'éponge. On en reparlera dans la semaine, on les laisse avancer, ils sont à 12 jours. Mais ce n'est pas tout, en siège d'Orléans, hein, on en a pas mal qui sont en préparation avec celui-là, avec le 2489, l'énormissime hein, royaume 2489, évidemment, de faux. On reviendra dessus, mais ça sera dans une prochaine vidéo, hein, les 89 CG. Notamment, ça sera dans une prochaine vidéo, on va s'attarder aujourd'hui sur le classement made by le 1093. Donc ce classement mis à jour pour le mois d'août, le voici, vous connaissez tous maintenant ce classement si vous suivez les vidéos de la chaîne. Et vous le voyez, la puissance globale a monté, le royaume le plus élevé est à 29,046 milliards. La dernière fois, on était à presque 28 milliards, donc on a monté de plus de 1 milliard, c'est énorme déjà. Ensuite, le plus bas a monté également de quasiment, allez, il a 2,6 milliards, il a monté seulement de 100 millions, 2,603 milliards. Il y a 1944 royaumes recensés et la moyenne a monté d'environ 150 milliards par rapport au mois dernier. Hein. On est à 12,899 milliards. On devrait atterrir à la rentrée, je pense, à 13 milliards ou tout proche, mais on devrait passer cette barre sur le classement de septembre. Alors, on est évidemment sur un classement, comme d'habitude, énormissime. Le premier, alors il n'y a pas de changement sur le premier. Le premier, c'est les Big Boss du 1034. Vous le voyez, le 1034 ne plaisante toujours pas du tout. Ils sont premiers en puissance avec 29,046 milliards. Forcément loin devant 1,7 milliard devant le K1365. Les 1034. Qui sont les 1034? Eh bien, c'est un royaume énorme. C'est celui des One V. Deuxième, le 1365. Hein, les JST, la Corée en force. Troisième, pour le deuxième mois consécutif, le 1093. Quatrième, le 2489. Celui de faux qui vient de rentrer en KvK. Et cinquième, le K1846 qui était déjà à la 5e place, si je ne dis pas de bêtises. Le mois dernier, suivi du 1484, le nouveau KvK qu'on va suivre. Le 1175, le royaume de Mimi qui ne va pas descendre car ils ne se battent pas. Le 2605, le 1960 qui ferme la marche des royaumes à plus de 25 milliards de puissance cumulée. Et le 10e, le 2010. C'est pour ça que le KvK avec le 2605... et on va le suivre, celui avec le 1484 et le 2010, on va le suivre aussi. Et le 2489, ça va être du très très lourd. Mais si on classe par KP, ça change un peu la donne. Regardez, dans le kill point, qui arrive premier? Évidemment, on sait qui arrive premier. Ce sont nos amis du 1960 qui arrivent largement premier. Mais ils n'ont pas encore passé la barre des 3 milliards. Alors, ça reste du très lourd, bien évidemment, mais les 3 milliards, les 3000 milliards, pardon, ne sont pas encore passés pour le royaume 1960. suivi toujours du 13,65, du 24,89 qui s'impose à la troisième place juste devant le 18,46. Il lui vole une place par rapport au mois dernier. Et le 10,93, lui, pareil, continue tranquillement. Il reste à sa cinquième place. Le 10,34 qui est premier en puissance, eh bien lui chute à la sixième place. Et la plus grosse remontada de ce classement, mention spéciale au 12,28 hein, qui vient de la 113e place et le 14,29 de la 140e place. Des jumps de ouf, des jumps ouf ici, mais derrière à la 190e place, on avait le cas 17-18 en puissance. Ils arrivent en force sur le classement. On passe à un top. Allez, on a un top combien au-dessus de 2 milliards, 2000 milliards, 1, 2, 3, 4, 5, 6 royaumes passent le cap des 2000 milliards, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 royaumes passent la barre des 1000 milliards à présent en kill point, du très très lourd. Ensuite, les amis, si on s'attarde sur les braquettes B, les royaumes de site B, ça change un petit peu également. Le premier en puissance, vous allez le voir. Regardez, pour passer en seed A, la barre est quasiment à présent à 15 milliards. Le premier est à 14,966 milliards. Et pourtant, le 12,71 n'a que 95, alors ça doit être 95 millions, 95 milliards plutôt, 95 milliards de kill points. Ce n'est pas énormissime. Si on reclasse ce royaume, alors voilà, hein, le deuxième il est à 14 milliards 9, ça se serre. Puis le troisième pareil, 14 milliards 9 aussi. Le quatrième pareil, le cinquième pareil, le sixième pareil. Regardez, les 6 premiers là, ça se joue à rien. Et voilà, même, je dirais même plus largement les 2 premiers, mais non, les 6 premiers, ça se joue à rien. 14 milliards, quasiment 15, et on passe dans ce top 6. Et on passe surtout sur le bracket A. Mais si on regarde les kill points plus récemment, regardez, on a un royaume qui est bien en dessous. Il a 14 milliards 780, il a quand même 200 millions de moins. Ça compte à ce niveau-là. Et pourtant, de la 519e place, il arrive avec ses 583 millions de kill points, milliards de kill points à mon avis, milliards de kill points même, c'est sûr. Et regardez, si on prend ce score là, hop là, je sélectionne à tort, si on prend 583 milliards, il arrive à faire un job, il sort de nulle part, il est devant, il est quasiment au niveau du 17e, qui est un impérium de seed A, un super impérium, regardez, quasiment autant que lui, et il saute, il passe devant le 49e, par exemple le 1979, et derrière le 13e, le 1774, hein, qui a un très gros impérium normalement, à moins de kill point que le 519e, et pourtant il a 10 milliards de puissance en plus. Franchement, quand on voit ces stats, hein, c'est un petit peu, même carrément, une dinguerie de ouf, on se demande les mecs ce qu'ils foutent pour avoir si peu de kill points tous réunis, et pourtant ils doivent avoir des très très gros KvK. Bref, grosse mention spéciale au 13-16. On fera un petit focus à la fin sur les conseils, quel royaume rejoindre. On passe au seed D, et là vous le voyez, hein, on est toujours autour des 450 places, hein. 1, 450, 450 au 900 à présent, donc entre 400 et 500 places, 973 pour le seed C avec 12,5 milliards. Et là, c'est encore plus serré. 12,538, 12,530, 12,529, 28, 23, 20, 18, 17, 12, 2. Là, le top 10 est dans un mouchoir de poche. Mais encore une fois, si on classe au kill point, ça n'a strictement plus rien à voir. Quand on passe sur un classement de kill point, on le voit, c'est le 1153e qui arrive, qui est le seul à avoir plus de 300 milliards de kill points, suivi du 1331e. C'est vraiment des royaumes de ouf, de 188 milliards de kill points. Les mecs vraiment se déchirent là-dessus. Regardez le 1143 qui est le royaume avec 11 milliards seulement de puissance, 11 milliards 8, hein, qui est 1000, enfin pas le 1153, le 1433 qui est le royaume 1153e en place, et eh bien regardez, si on va chercher sur ces 314 milliards de kill points, le mec, regardez, les mecs, ils pourraient être en seed A, et ils pourraient être au niveau de royaume. Allez, on va aller sur 314, exactement, voilà, on est autour d'ici. Ils pourraient se retrouver avec des royaumes qui ont 20 milliards, 22 milliards de puissance, le double de leur puissance. Donc on voit, les mecs ne plaisantent pas du tout sur ce site C, un très bon royaume de soutien. On finit avec le site B, 1459e pour le premier, et il a 1459e place avec 10,3 milliards de puissance, 84 millions de kill points, hein, on est sur du léger. Mais regardez, si on change cet ordre, vous allez le voir, hein, là c'est un peu moins serré. On a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ah non, c'est tout aussi serré, hein. Le top 10 est très serré. Si on classe au kill point, le premier, le 10-21, sont vraiment des oufs. Les mecs sont 1643e. Je vous le rappelle, il n'y a que 1944 royaumes de classés. Donc les mecs sont 1643e. Ils ont 9,108 milliards de puissance. Autant dire quasiment que dalle. Ils ont 409 millions de kill points. Les gars sont des dingues. Ils pourraient être, avec leur nombre de kill points, ici en site B, à la place du royaume, même juste en dessous, le royaume 1885. J'allais encore vous dire 691e. 1885, juste en dessous. Les mecs sont au niveau d'un site B, alors qu'ils sont d'un site D, et ils pourraient même être sur des sites A. Franchement, grosse mention, le royaume 1643 avec le 10-21 sont vraiment un royaume de ouf. Que faire de toutes ces données? Pourquoi elles sont beaucoup plus utiles que le classement qui nous est fourni par Lilith? Eh bien, c'est très simple. Toutes ces données vont vous permettre de choisir un royaume si vous souhaitez migrer sur ces saisons-là, intersaison d'été. On le sait, c'est quasi là qu'on a le plus de migration, donc c'est très simple. Si vous voulez aller dans un très très gros site A, autant dire l'un des plus gros, parce que vous voulez vous fight actuellement, moi je viserais personnellement le 10-93, mais attention, pour rentrer sur le 10-93, c'est ultra chaud, les places sont rares. Sinon, vous pouvez viser des petits royaumes, des petits gros royaumes intermédiaires. Le 1647 par exemple, un gros royaume de fighters, ils sont en zone intermédiaire de seed A. C'est un très bon royaume de fighters. Vous avez de guerriers, vous avez aussi le 1484, mais là on est sur du plus lourd. Après, vous avez des royaumes plus discrets, comme le 1188, qui font le job, les mecs sont là. Mais attention, il faut bien se renseigner sur le royaume, parce que si vous prenez le 1175, qui a un gros score de puissance et un gros score de kill point, c'est pas pour ça que les mecs c'est des warriors. La preuve, ils abandonnent leur KvK face au 1846. Donc méfiez-vous tout de même, faites une petite enquête. Donc, les seeds A, c'est réglé, on sait où aller si on veut migrer. Vous pouvez encore une fois migrer, aller sur le 10-93, ça serait l'un des meilleurs paris. Le 24-89, si vous avez des grosses CB, vous pouvez y aller aussi. Sinon, le 16-06, c'est un bon royaume de fight. Le 11-88 aussi. Ces royaumes-là sont plutôt des valeurs sûres, mais envoyez des farms avant pour être sûr. En site B, vous vous dites, je préfère être sur un bon royaume de soutien qu'être sur un gros A, parce que j'ai pas une CB infinie. Je suis un joueur très actif, mais je suis un low spender. Eh bien, vous pouvez viser tout à fait le 13-16, très solide le 13-16. Là, les 4 premiers, même les 5 premiers, hein, le 11-58, le 18-85, le 15-92, le 16-94 et le 13-16 sont très solides. Mais il y a quand même une meilleure carte à jouer. Vous pouvez vous dire, peut-être que le 10-21 en site D, ça serait une bonne opération. Mais encore une fois, les places doivent être chères là-bas. Passons, avant d'aller au site D, au site C, vous l'avez vu, hein. Le 14-33 serait la seule carte à jouer. Hein. C'est celui qui a la puissance la plus faible pour les kill points les plus hauts, et il est un cran au-dessus de tous les autres. Pour finir donc avec le site D, on a la même dynamique, à savoir le 10-21 est quand même au-dessus des autres sur ce bracket-là. Donc, je vous le conseillerais, et c'est le seul que je conseillerais en site D. Si vous voulez des royaumes morts, vous allez tout à la fin de la site D. On va tout en bas de la liste. C'est très simple. Eh bien, les royaumes les plus morts. Mais attention, hein, beaucoup de joueurs font comme vous et se disent, je vais aller sur des royaumes morts pour justement faire un max d'event et les gagner. Mais méfiez-vous encore une fois de ne pas tomber sur un mec qui s'est caché là-bas juste pour remporter toutes les events. Hein. Ça serait un petit peu dommage. Donc, si on prend le classement sur la fin, le 13,35 hein, est vraiment en bas de l'échelle. 14,94, 25,87, 16,61. Mais attention, si vous allez sur ces royaumes-là, vous ne vous battrez quasiment pas parce que vous serez tout seul si vous voulez vous battre en KvK. Hein. Le 15,29 pareil, le 18,16 pareil, les royaumes très anciens ou comme le 11,61 qui est sans doute le plus ancien de la liste, hein, qui est en bas de classement, ces royaumes-là sont vraiment des royaumes morts. Après, vous pouvez monter et viser des un petit peu moins morts, mais morts quand même pour le coup, ce qui vous permettrait peut-être d'avoir une chance de ne croiser aucun joueur qui aurait la bonne idée de faire comme vous. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo mise à jour classement du mois d'août, classement du 10,93. Normalement, on devrait avoir le classement officiel de Lilith, je vous le partagerai également. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.